Aujourd'hui, 10% des familles sont recomposées. Coudonc, voulez-vous une chambre? Lui, c'est Claude, mon père. Elle, c'est sa nouvelle blonde, Victoria. Ça, c'est la nouvelle maison qu'ils viennent d'acheter ensemble. Hey, Spielberg, là, pas de plan de mon gros nez, merci. Oh, mon père qui fait de l'humour, vite ses pilules. Moi, c'est Magali. Je suis la plus vieille de la nouvelle famille, l'Espérance Laporte. Avant, il y en avait 3 pour me faire donner. Maintenant, il y en a 5. Attachez vos tucs, je vous présente tout le monde. Hey! Oh, tata! Nice! Ah, ces deux-là, ça a été l'amour fou à la seconde où ils se sont rencontrés. Lui, c'est Simon, mon frère. Puis elle, c'est Célina, notre demi. Parce que c'est pas mon demi-frère, hein. C'est à peine mon 1/1000ème de frère. Ah! Hey! Donne-moi ça, tu vas voir. Toi, je vais t'en mettre. Tiens! Simon. Marianne, ma petite sœur. Quelque chose à dire sur ta nouvelle famille recomposée. Marianne? Comptez pas sur moi pour laver toute la vaisselle à la main. Vous aviez juste acheté un lave-vaisselle. Ah, puis décolle un peu, là, je suis pas maquillée. Viens là, bonjour! Non. Manolo, le frère de Célina, mon demi-frère. Commencez pas à avoir mal à la tête, là. Vas-tu toujours me coller de même, lui? Ah, lui, c'est Nathan, mon petit frère. Le seul enfant au monde qui peut manger du fromage bleu avec des biscuits au chocolat, puis trouver ça bon. Ils sont pas au chocolat, ils sont à l'érable. Ah! Mano, Poupoule, au travail. Vous savez ce que vous avez à faire. Poupoule, ta mère t'appelle Poupoule, hein? Ah ouais, vite, Poupoule, faut voir maman. Allez, viens m'aider, fistounet, là. Oh non, j'espère qu'elle a pas entendu ça. Fistounet, hein? Le gentil fistounet à son papa. Elle a entendu. Les enfants, venez ici, s'il vous plaît. Victoria et moi, on voudrait vous souhaiter la bienvenue et une bonne première journée dans votre nouvelle maison et votre nouvelle vie. Bon, ben, allez, grouillez, là, c'est pas fini. Ouais. Monsieur le déménageur, quelle chance vous donnez à ma nouvelle famille de toffer plus que 6 mois? Célina, tout le monde participe, tout le monde a sa corvée. Moi, je décrotte le bain. Simon, il installe l'ordinateur. Méchante corvée. Ah, pourquoi vous lui donnez pas ses cadeaux de Noël à déballer d'avance tant qu'elle torturait, hein? Marianne et Magali se tapent toute la vaisselle à la main, puis je les entends pas appeler la Société des enfants battus. Oui, mais Simon, lui, fait rien. Moi, les profiteurs pis les paresseux dans son genre, là. Célina, je viens de donner un coup de main pour nettoyer la salle de bain. C'est ça où mon père vient pas me reconduire à la partie d'hockey samedi. C'est très gentil, ça, Simon. Bon, ben, je vous laisse. Faut que j'aille me faire bronzer dans le cours. Hein? Quoi? Ben non. Je m'en vais monter les meubles en kit avec Claude. T'as fait exprès, hein? De quoi tu parles? Ben là,
T'as fait exprès pour faire ton cure, juste comme j'étais en train de dire à ma mère que t'avais pas d'allure. Hey, j'essaie de t'aider. Ça va ici? Ben oui. On répartissait les tâches, justement. Ah oui? Ben, Simon me disait justement que ça le dérangeait pas de nettoyer le bol de toilette, hein? Quoi? Ça l'a bien avec la brosse à dents de Célina. Ouais, je vais te faire ça parfaitement. Ouais, ben, je pense que je t'avais jugé trop vite. Je vais repasser tout à l'heure, juste pour m'assurer que tout le monde est encore en vie. Ah oui, trompe-toi pas, hein. Le bol de toilette, c'est celui qui a pas de douche. Mange pas tes bas, relax. Ça va être bizarre, hein, d'avoir une... une nouvelle mère dans ma maison, tu trouves pas? Moi, ma mère, c'était ma mère, puis y a personne qui va me remplacer. Mais je sais, là. Je dis juste que ça fait longtemps qu'il y a eu une femme dans la maison, puis il va falloir apprendre à la connaître. Pas l'air bien compliqué. C'est une madame fine qui fait sa fine avec tout le monde, puis qui voudrait que tout le monde soit fin avec tout le monde. Et que tu juges vite. Toi, tu jettes un coup d'œil sur une personne, puis tu penses que tu la connais. Mais si ça se trouve, Victoria est guitariste dans un groupe heavy metal le soir quand on dort, tu sais. Je suis sûre là, qu'elle a jamais traversé la rue sur une lumière rouge. Tu pourrais être surprise, hein? Papa m'a dit qu'il avait fait des affaires très flyées dans sa jeunesse. Ah ouais? Mmh. Comme sortir sans sa tuque en hiver? Victoria, effet personnel. Faudrait peut-être pas être touchée, hein? Je suis sûre que c'est là-dedans qu'elle cache le cadavre de ses ex-maris. Et que t'es nounoune. Ou bien son alcool de contrebande. Mmh. Mais arrête de niaiser, là. C'est pas à nous. Non. Ça, c'est à moi. Je vais la prendre. Merci. T'as pas regardé dedans? La bois? Non, non. Il s'appelle Microbe, pis c'est mon serpent. Écoute-moi bien, le petit, là. Ton père a peut-être marié ma mère, mais moi, j'ai marié personne. Ils sont pas mariés, nous. En tout cas, moi, je suis juste là le temps que ma chambre dans la cave soit prête. C'est le fun, là-bas, pour jouer ensemble! Ah oui, ça va être le fun! Non, regarde bien, là. Si c'était pas que t'es le seul qui a pas peur de mon serpent, je serais pas dans ta chambre, certain. OK. Bon, on va faire quelques règlements, là, puis si tu les suis, ça va marcher entre nous deux. OK. Premièrement, tout ce qui est de ce bord-là, c'est ma chambre. T'as pas le droit de mettre le petit orteil ici, c'est chez nous, compris? Même s'il y a le feu dans ma chambre, même si tu penses que je suis en train de m'étouffer dans mon sommeil, t'as pas le droit de venir ici sans ma permission. Toi, t'as-tu le droit de tenir dans mon bord? J'ai pas le droit, moi non plus. Si tu viens pareil, qu'est-ce qui arrive? Je viendrai jamais. Quoi? Tu joues pendant que tout le monde travaille? Ouais, tu joues pendant que tout le monde travaille? Poupou l'est pas content? Hey, t'as tout fait planter! Oh, excuse! Fistounet pas content? Salut. Hey! Ma souris blanche! Oh, t'es donc bien stupide! Oh, excuse, fallait pas la laisser sortir. Mais là, ça a réussi à sortir de la maison, je la retrouverai plus jamais! Oh. Je vais t'aider à la retrouver. Hey, là, tu trouves pas que t'en as assez fait?
ADN! Viens ici, ADN! Ça, c'est Célina tout craché. Je pourrais me faire écrapoutir par un camion, elle lâcherait pas ses éprouvettes. Mais si sa souris sort de sa cage, il faut appeler l'armée, hein? Je vais te le régler, ton problème. Mais là, je la mangerai pas, là, ta souris. T'as pas besoin de crier comme ça. Là! Elle vient de rentrer, là, dans la salle de lavage. Viens m'aider! L'espérance. C'est un front de bœuf. Mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre des parents? T'avais raison. Victoria, elle est pas celle qu'on pense. C'est une criminelle. Il faut qu'on parle à papa. Hey, il y a une heure, tu disais qu'elle était trop mimine pour clouer un clou de peur d'y faire mal, puis là, c'est une criminelle. Franchement, Marianne. Je sais, mais ça, c'est avant que je trouve des preuves. Non, viens, ton sang va avant que Victoria arrive. Regarde ce que j'ai trouvé. Est-ce que c'est ça? Victoria a fait de la prison. ADN! Viens ici, ADN! ADN! ADN, viens ici! Viens ici, ADN! ADN, viens ici! Viens ici! Viens ferme la porte, ADN, là, pour pas qu'elle sorte! Envoie vite! Ferme la porte! Bon! Regarde ce que t'as fait avec tes beuglements, là! Elle est allée se cacher en dessous de la fournaise! ADN! Célina, je pense qu'on a un autre problème. Oh! Bien. Comme ça, tu pourras pas te tromper. De ce côté-ci, la ligne rouge, c'est ma chambre. De l'autre côté, c'est la tienne. Puis t'as pas le droit de venir sans ma permission. Puis si je te demande la permission? Si tu me demandes la permission, je vais dire non. Ça fait qu'on revient au point de départ. Moi, je te les prête, mes affaires, si jamais tu veux jouer avec. Qu'est-ce qu'il mijote, lui? Tu fais ton fait pour que j'aie l'air du gros méchant, hein? Ben non, ça me dérange pas que tu touches à mes affaires. Je toucherai pas pareil. OK. Oh, c'est idée aussi de claquer la porte comme ça. Hey, t'es pas gênée, chose. C'est toi qui m'as dit de la fermer à cause de ton maudit rat. Ben oui, hein. Je t'ai dit de la fermer, pas de la défoncer. Arrange ça comme tu veux, là, mais on est enfermé ici, pis ça a pas l'air qu'on est à venir en sortir. Ben, c'est vrai, hein, que si tu continues à tourner en rond comme ça, là, comme un singe dans une cage, on n'est pas à veille, hein? Ben non, on continue à regarder à la poignée de porte, comme ça, elle est pas on a un œuf, c'est pas mal plus efficace. Homme des cavernes! Tarte aux pommes, t'es. Oh, OK, là, c'est assez. C'est pas comme ça qu'on va sortir d'ici. Ben, t'as raison, là. Il faut trouver une manière de faire savoir à nos parents qu'on est enfermés ici, hein? Bon. Papa, Magali! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à louer une chambre dans une belle maison presque neuve, pas chère, hein? Je trouve que tu chiales pas mal pour une fille qui fait rien, pantoute. Oh, c'était pas assez que je sois obligée de déménager avec vous autres, pour en plus que je sois enfermée avec toi. Hey. Penses-tu que ça me tentait de déménager avec ton air bête de frère pis toi, hein? Son serpent. Puis ta souris sont plus sympathiques que vous autres. Ben, imagine-toi donc que c'était pas mon idée de déménager avec Miss Cutex, Madame Kodak puis le Roi Lion. On n'avait pas besoin de vous autres, hein. On était bien les trois ensemble. Le pire là-dedans, là, c'est qu'ils nous ont même pas demandé notre avis. Là, je suis obligée de changer d'école, d'équipe de hockey. D'amis, de quartier. L'année prochaine, là, j'allais être capitaine d'équipe au hockey. Ben, moi, là, j'étais chef de laboratoire dans mon club de sciences. Ici, je sais même pas s'il y en a un club de sciences. Ben, même s'il y en a un, ça a bien l'air qu'on va passer l'hiver dans la cave. Fais-toi-en pas. On passera pas l'hiver. On va mourir de faim avant. Ben, au moins, on mourra pas de froid. C'est ça! T'es un génie! C'est correct. Elle est en train d'installer le système de son. Puis comme papa l'aide, ça va prendre au moins 3 heures. T'as-tu réussi à l'arranger? À peu près.
Mais si elle la trouve, elle va penser qu'il s'est cassé dans le déménagement. Bon, voyons, on se crame d'ici, là. Hein? Tu sais pas savoir ce qu'il y a dans les boîtes. Je sais que c'est à cause de la drogue qu'elle a fait de la prison. Et jamais de la vie. Tu trouves pas que t'en as assez fait, toi? Quoi, qu'est-ce que t'as trouvé? Oh non, tu sais pas les empreintes! Franchement, je sais pas ce que mes enfants vous ont dit, mais je suis quand même pas si sévère que ça. Si tu nous laisses partir, là, ça va rester notre secret. Oui. Mais de quoi elle parle? Bon, sortez de là. Je pense que j'ai droit à une explication. On est dans un pays libre, hein? C'est ta chambre. T'as le droit de cacher des armes puis des cadavres si tu veux. Des armes? Des cadavres? Ben... Oh! Je vois que vous avez trouvé Jérémy. Jérémy? C'est une tirelire que Célina m'a donnée pour la fête des mères quand elle avait 8 ans. Ma fille a toujours eu des drôles de goûts. Des revolvers? Oh ça! C'est quand j'avais... Veux-tu même pas le lâcher avec ça, là? Ah, elle a le droit d'avoir un revolver si elle veut. Et tu juges? C'est un jouet que j'ai confisqué à Mano. Mais ça m'explique pas ce que vous faisiez dans ma chambre. Ben, c'est à cause de la photo. Que j'ai trouvée sans faire exprès. Je jure que je fouillais pas tomber de la boîte. Premier juré sur la tête de ma vraie... Premier juré sur ma tête. Je pense que je sais de quelle photo on parle. C'est pas ma meilleure, d'ailleurs. J'avais une grippe et une sinusite épouvantable ce jour-là. D'habitude, la police n'arrête pas le monde pour une grippe. Ouais. J'étais à une manif. Il y a 2 ou 3 têtes brûlées qui se sont mis à brasser un peu trop fort puis ont arrêté tout le monde, dont moi. Mais ils m'ont relâché presque tout de suite. J'ai demandé à regarder la photo. Fais peur aux enfants! Toi puis tes plans de jeu. Ouais. Ouais, ben, on n'est peut-être pas obligé de raconter tout ça à mon père, hein? Ouais. Coudon, c'est-tu moi ou il fait chaud? Coudon, il fait donc mais chaud aussi, on se croirait dans un four. T'as pas chaud, toi? Ben moi, j'ai chaud, dans la fenêtre. Non. Si tu veux pas l'ouvrir, moi, je vais l'ouvrir. Tu peux pas, la fenêtre est de mon bord de chambre. Franchement, la fenêtre, ça compte pas. Ça compte? La fenêtre est de mon bord de chambre. Tu peux pas l'ouvrir, sauf si tu me demandes la permission. Hé, hey, avant que je te demande la permission pour ouvrir la fenêtre, là... Papa! Papa! Wow! Il est vite, il me fait passer à moi quand j'étais jeune. Bon, qu'est-ce que tu veux, là, en échange pour ouvrir la fenêtre? Joue-moi l'eau sur Pinchel. Si tu gagnes, je l'ouvre. Bon, c'est correct. 1, 3, 2, 5? Je pense même qu'il va aller plus loin que moi. 1, 3, 5. Correct. Coudon, ça va pas chaud, vous autres? Ta mère, es-tu bien sévère? Bof. Ça dépend. Ben, d'habitude, non, là, mais... Si jamais tu l'entends dire, là, là, ça va faire. C'est pas mal l'heure d'arrêter de niaiser. Toi, ton père, il est comment? Ah, chez nous, c'est pas mon père qui est dangereux. C'est ma sœur, Marianne. Ah, si tu veux, je vais te donner 1 ou 2 trucs pour la faire grimper des rideaux. Tu vas voir, c'est pas dur. Les enfants, êtes-vous là-dedans? Enfin! Ouais, on est enfermés. Ouais, ouais, la poignée de porte est tombée de l'autre bord. Oh, attendez, là, ça sera pas long. C'est pris, hein? Ouais. OK, bon. Ah. C'est que c'est passé? Mais là, c'est lui, là, une gamine qui a défoncé la porte avec ses bras. OK, c'est beau, c'est beau. L'important, là, c'est que si vous soyez sortis de là.
C'est qui a eu l'idée de monter le chauffage pour le faire descendre? Ben, là, c'est moi. C'est moi, là. Hey, t'es pas gêné? Mais là, c'est mon idée. C'est moi qui t'as fait parce que... Non, non. C'est parce que c'est moi qui ai eu l'idée. C'était juste levé avant moi. Non, non, t'as dit quoi, puis moi, j'ai eu l'idée. Notre premier souper en famille. Ben là, le pire est fait, hein? Et ça peut manger dans sa chambre, je veux manger devant la télé. C'est notre premier repas en famille, on le prend en famille. Pour moi. Marianne. On mange en famille, point à la ligne. Non, s'il vous plaît, peux-tu arrêter de filmer deux minutes, là? Jusqu'à ça devenait intéressant. Mais là, on peut-tu au moins allumer la télé d'abord? Pas le droit d'écouter la télé pendant les repas. Depuis quand? Et tu me diras pas que parce qu'eux autres ont pas le droit d'écouter la télévision en mangeant. T'es capable de faire deux choses aussi exigeantes en même temps? Oh, oui, mais il faut que quelqu'un coupe sa viande, hein? Papa! Bon, les enfants. Hey, y a-tu d'autres affaires comme ça qu'on n'aura pas le droit de faire à cause d'eux autres? Ben, moi, j'ai jamais aimé ça, qu'on écoute la télé en mangeant. Si on n'écoute pas la télé, ça va nous permettre de discuter tous ensemble. Manolo? Il y a sûrement quelque chose que tu veux savoir sur tes nouveaux demi-frères et demi-sœurs. Ah, oui. Marianne, je me demandais, est-ce que tu prends un cours ou bien si tu as eu de la chance de naître insignifiante? Manolo! Répète ce que tu viens de dire. Il a dit que ça... Non, 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 c'est correct, Nathan. C'est assez, là, hein? On va arrêter de s'insulter. On est ici pour apprendre à se connaître et à échanger. C'est-tu assez clair? Puis, Manolo, est-ce que ta chambre est à ton goût? Ben, c'est mieux que de coucher dehors. C'est quoi cette affaire blanche? Là, on dirait du plout. C'est du fromage de chèvre. Puis toi, Célina, comment tu trouves ta nouvelle maison? Oh, si c'était juste de moi, là, je déménagerais tous les jours. Ah ouais? Hey, c'est une bonne idée. Pourquoi tu déménages pas demain matin? Bon, là, ça va faire! Si vous avez rien de positif à dire, je vais plus vous entendre. Moi? J'aime les patates frites. Moi, j'aime les grosses boîtes pesantes qui me démangent le dos. Moi, j'aime nettoyer les toilettes. J'aime de faire des boîtes. J'aime laver la vaisselle. J'aime me faire les ongles. J'aime voir ma mère faire des croûtes. J'aime monter des meubles en kit. Oh, j'aime! Ben, Manolo, c'est le fils de la... de Célina. Puis Manolo, c'est les enfants de Victoria. Nathan, c'est le fils de la belle-mère qui s'appelle... Nathan, Simon, Marianne puis Magali, c'est les enfants de Claude. C'est-tu Magali, son nom? Hey, Miss Monde, ça fait 17 minutes que t'es dans la salle de bain. T'as dépassé ton temps. 17 minutes 37 secondes. Nous autres, ça, on est de l'école. Qu'est-ce qui se passe, là? Là-dedans, encore. Marianne, là, sors de là, là. T'as eu ton temps, tu vas mettre tout le monde en retard. J'ai fini, papa, je sors, là. D'ailleurs, jeune fille, c'est pas toi qui dois mettre la table pour le déjeuner aujourd'hui.
Ça devrait déjà être fait, cela, là. J'arrive, mon petit papa chéri. Dépêche! Marianne, sors-tu? On va pas sortir d'être là, hein? Bon, maintenant, ce que l'homme laisse pas le choix. C'est la guerre! Tu pourras pas dire que je t'aurais pas averti. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien, laisse faire l'expert, là. Observe et apprends. J'ai plusieurs années d'expérience avec une sœur et je vous donne en primeur mon truc le plus efficace. Première étape, trouver le point faible. Marianne, pour appeler ton chum, la touche de recomposition rapide, c'est le 2, hein? Pourquoi tu me demandes ça, jeune? Deuxième étape, la menace. Pour voir sa réaction quand je vais lui dire à 7h du matin que tu te bourres la brassière avec des Kleenex. Tu bluffes. T'oseras jamais l'appeler. Et que tu me connais mal. M'as-tu du papier de toilette dans ta brassière pour de vrai, Marianne? Je te crois pas. C'est pas son numéro que t'as composé. Tu lui demanderas toi-même. OK, ça sonne, écoute. À partir de ce moment-ci, t'es mieux de te tasser la porte parce que le taureau, il va sortir. Deuxième sonnerie! Non. Oui, allô, mon bébé? Je me suis qu'il est de bonne heure, mais je m'ennuyais tellement... Excusez-moi. Oui, je me suis trompée de numéro. Le gars du dépanneur te fait dire bonjour. Manolo Laporte, c'est la guerre! C'est quoi ça, Simon? C'est pas un déjeuner, ça? Bon, Marianne n'a pas encore mis la table pour le déjeuner. C'est son jour, pourtant, comme c'est clairement stipulé quelque part là-dedans, là. Marianne! T'as pas encore mis la table pour le déjeuner, là, dépêche! Mes lunettes. Où c'est que j'ai mis mes lunettes? Ah, pas de popsicle, pas de lunettes. Je sais pas, as-tu regardé dans ta chambre? Commence avec ça. Dis-moi donc, Simon, pourquoi tu marcherais pas avec Célina pour te rendre à l'école aujourd'hui? Pourquoi? C'est ce que c'est. J'aimerais mieux manger du foie de veau cru que de venir avec Miss A+. Ben, ça vous permettrait de jaser, d'apprendre à vous connaître un peu plus. Tu pourrais présenter tes copains? Parce que je pense qu'elle a un petit peu plus de difficultés que toi à se faire des amis. C'est peut-être parce qu'elle fait peur au monde. Sais-tu, j'ai plus de petits bois pour partir mon feu de foyer. As-tu encore tes bâtons de hockey, toi? Déjeuner, les morveux! Là, tu viendras pas me dire qu'elle fait pas exprès. C'est pas du copiage, ça, je sais pas ce que c'est. Quoi? Elle copie mon look! On n'est pas habillés pareil, pas en tout. J'ai mis mon cerveau aujourd'hui, moi. Tu vas me dire que les Lulu puis le foulard, t'as trouvé ça tout seul, je te gage. Mais là, Marianne, là, t'as quand même pas le brevet d'invention sur les Lulu et le foulard? C'est ça. Prends pour elle, prends pour la fille de ta blonde. Je suis juste ta fille, moi, après tout. Marianne, l'espérance. Ah oui, Célina. Mon père t'a fait dire que ça me tente de marcher avec toi jusqu'à l'école. Ben, je sais pas, il a peut-être peur que tu te perdes, là, ou quelque chose. Ben, pour entendre Antonin Mongeau expliquer comment c'est dur d'avoir autant de qualités que lui, là, non merci, ça va aller. Tu vois, c'est pour ça que t'as pas d'amis. J'ai des amis. You! Les amis! Où êtes-vous?
même que j'en ai beaucoup d'amis. Qui ça, le prof ou la directrice? La madame de la bibliothèque. Ouais, en tout cas, j'aimerais bien mieux me tenir avec le prof qu'avec Antonin Mongeau. À part ça, ici avec toi, là, juste parce que t'as des jeux vidéo qu'il y a pas. Puis comme ils se vendent que Marianne a le kick sur lui, hein, ça paraît bien qu'il passe ses soirées ici. T'es jalouse parce que je me suis fait plein d'amis, pis pas toi. Ben, c'est facile d'avoir plein d'amis quand on est prêt à se tenir avec n'importe qui. Regarde, toi, t'es n'importe qui, pis tu m'intéresses pas pantoute comme ami. Ah! As-tu dit au premier ministre qu'il pouvait aller se coucher maintenant que t'es debout? Bon, mais ça plus que manger de la viande crue un matin. Ah, on est peut-être mieux de dire aux premières années de pas traîner dans la cour d'école. Ah, occupez-vous-toi d'elle, là. On y va? Ouais. Ta sœur Marianne est déjà partie? J'ai une offre que tu pourras refuser. T'as rien qui m'intéresse, le petit jeune. Je t'échange mes 15 minutes de salle de bain pour toute la fin de semaine en échange d'un service. C'est une fin de semaine de 4 jours, n'oublie pas. Quand est-ce que tu vas te laver? Ça me dérange pas de pas me laver pendant une couple de jours. Pourquoi ça m'étonne pas? Bon, c'est quoi la pogne? Elle est bonne, elle. Si je dis c'est quoi la pogne, ça sera plus une pogne, puis elle pognera pas. Y a pas de pogne. Je te donne mes 15 minutes de salle de bain. En échange, tu mènes l'échelle dans la machine, tu pèles sur le piton, puis tu le plies. C'est tout. C'est tout. Je fais juste le lavage. J'ai ça, faire le lavage. Pour la fin de semaine de 4 jours. 4 jours. Marché conclu. OK, je pense que je comprends. Ça, c'est tous les jeux. Puis ici, c'est qui a le droit de jouer à quel moment? Non, mais non! C'est l'horaire de la vaisselle, c'est pas l'horaire des jeux. Ben, regarde, ici, Nathan a la télécommande jusqu'à 5 pendant que Manolo a le panier de basket. Après ça, je... Oh, regarde, on peut prendre l'ordi! Estelle? Ben non! T'as pas le bonjour, là, c'est jeudi. C'est Célina qui a l'ordi. Ouais. Ben, change lui son temps d'ordi d'aujourd'hui pour le tien de demain. Elle voudra jamais. La vie me fait suer. T'exagères. Elle est pas si pire que ça. Si on lui demande de jouer avec nous autres, là, elle va probablement dire oui. Hey, avant que je joue avec Miss Oplus, là, les serpents vont pondre des œufs. Les serpents pondent des œufs, Nono. Oh, man! Faisons sauter la planète, t'as ça, ce jeu-là? Écœurant. Maman me laisserait jamais rentrer ça dans la maison. C'est trop sexiste, c'est trop violent, c'est trop niaiseux, puis c'est pas assez éducatif. Hey, cool, on joue. Je me ferais triper si mes parents savaient que je jouais avec ça. Hey, à moi aussi, qu'est-ce que tu penses? Ça fait un an que mon père m'a confisqué ce jeu-là. Ben, c'est pas que je l'ai. Hein. Ben, mais quand je veux jouer, je vais chercher en cachette, puis je vais juste à le remettre à sa place après, puis il se rend compte de rien. Hey, c'est big, on joue. Hey, c'est Céline-là qui a l'ordi. Ouais. Ben, ça nous tuera pas d'endurer, mais ça plus pour une coupe d'heure. Hey, on a une planète à faire sauter. OK, dans 2, 1, 0. C'est froid comme de la glace! Impeccable, ça marche. Récapitulons. J'entre dans la salle de bain, je barre la porte, j'enclenche la minuterie. À partir de là, mon homme, il y a 5 minutes d'eau chaude dans la douche et à la 60e seconde de la 5e minute, paf! L'eau devient un jus d'iceberg. Bingo! Avec ça, on va réussir à faire respecter le règlement bon gré mal gré parce que le règlement dit 15 minutes max par personne le matin dans la salle de bain. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on a oublié là? Après qu'on ait sorti Marianne de la douche, comment on fait pour la sortir de la salle de bain? Oh! Si je te comprends bien, on a trouvé une bonne solution pour le mauvais problème. Et encore 1800 points. Hey, t'en as-tu d'autres planètes à faire sauter de même? Amène-en. Il y a une faute d'orthographe. Champion, ça s'écrit avec un M. Ah, hey, yes, hey, une faute d'orthographe, toi, tu viens de faire ma journée.
passer au niveau 8. Qui est-ce qui est capable de battre ça? Bon, t'achèves-tu, là? Oh, t'es juste jaloux, là, parce que tu sais que tu pourras jamais me battre. Puis toi, t'es juste là parce qu'on voulait l'ordi. T'es donc bien plate, mon Jo. Ben quoi? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Hey, on l'a eu! En tout cas, moi, je trouve que ça y a pris du temps à comprendre pour une bolée. Bon, ben moi, je vais y aller. 1800. Viens, là, check bien ça. Ça te tenterait pas de jouer avec moi au Scrabble ou, ben, je sais pas, n'importe quoi, quelque chose? Je t'occupais. Qu'est-ce que tu fais, donc? Pourquoi tu mets les serviettes propres dans le linge sale? Pose pas de questions, là. Est-ce que tes bas, ils puent? C'est pas grave, donne-moi les pareils. Tu peux pas, la fenêtre est de mon bord de chambre. Franchement, la fenêtre, ça compte pas. Ça compte? La fenêtre est de mon bord de chambre. Tu peux pas l'ouvrir, sauf si tu me demandes la permission. Hé, hey, avant que je te demande la permission pour ouvrir la fenêtre, là... Papa! Papa! Wow! Il est vite, il me fait passer à moi quand j'étais jeune. Bon, qu'est-ce que tu veux, là, en échange pour ouvrir la fenêtre? Joue-moi l'eau sur Pinchel. Si tu gagnes, je l'ouvre. Bon, c'est correct. Un 3 de 5? Je pense même qu'il va aller plus loin que moi. Un 3 de 5. Correct. Coudon, ça va pas chaud, vous autres? Ta mère, es-tu bien sévère? Bof. Ça dépend. Ben, d'habitude, non, là, mais... Si jamais tu l'entends dire, là, là, ça va faire. C'est pas mal l'heure d'arrêter de niaiser. Toi, ton père, il est comment? Ben, chez nous, c'est pas mon père qui est dangereux. C'est ma sœur, Marianne. Ah, si tu veux, je vais te donner un ou deux trucs pour la faire grimper des rideaux. Tu vas voir, c'est pas dur. Les enfants, êtes-vous là-dedans? Enfin! Ouais, on est enfermés. Ouais, ouais, la poignée de porte est tombée de l'autre bord. Oh, attendez, là, ça sera pas long. Et c'est pris, hein? Ouais. OK, bon. Ah. C'est que c'est passé? Mais là, c'est lui, l'homme des gabernes, qui a défoncé la porte avec ses bras. OK, c'est beau, c'est beau. L'important, là, c'est que si vous soyez sortis de là, c'est qui a eu l'idée de monter le chauffage pour le faire déjà? Là, c'est moi. C'est moi, là. Hey, t'es pas gêné? Gêné? Mais là, c'est mon idée. C'est moi qui t'as fait parce que... Non, non. C'est parce que c'est moi qui ai eu l'idée. C'était juste levé avant moi. Non, non, t'as dit quoi, puis moi, j'ai eu l'idée. Là, le pire est fait, hein? Mm. Merci. Dans ma chambre. Hey, ça peut manger dans sa chambre. Je veux manger devant la télé. C'est notre premier repas en famille. On le prend en famille. Pour moi. Marianne. On mange en famille. Point à la ligne. Non, s'il vous plaît, peux-tu arrêter de filmer deux minutes, là? Jusqu'à ça devenait intéressant. D'amis, de quartier. L'année prochaine, là, j'allais être capitaine d'équipe au hockey. Mais moi, là, j'étais chef de laboratoire dans mon club de sciences. Ici, je sais même pas s'il y en a un club de sciences. Ben, même s'il y en a un, ça a bien l'air qu'on va passer l'hiver dans la cave. Fais-toi-en pas. On passera pas l'hiver. On va mourir de faim avant. Ben, au moins, on mourra pas de froid. C'est ça! T'es un génie! C'est correct. Elle est en train d'installer le système de son, puis comme papa l'aide, ça va prendre au moins 3 heures. T'as-tu réussi à l'arranger? À peu près. Mais si elle la trouve, elle va penser qu'il s'est cassé dans le déménagement. Bon, ouais, on se crame d'ici, là. Hein? Tu
Tu veux pas savoir ce qu'il y a dans les boîtes. Je suis sûre c'est à cause de la drogue qu'elle a fait de la prison. Hey, jamais de la vie. Tu trouves pas que t'en as assez fait, toi? Quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh non, tu sais pas les empreintes! Robin, ça va pas pour là, franchement, je sais pas ce que mes enfants vous ont dit, mais je suis quand même pas si sévère que ça. Si tu nous laisses partir, là, ça va rester notre secret. Oui. Mais de quoi elle parle? Bon, sortez de là. Je pense que j'ai droit à une explication. On est dans un pays libre, hein? C'est ta chambre. T'as le droit de cacher des armes puis des cadavres si tu veux. Des armes? Des cadavres? Ben... Oh! Je vois que vous avez trouvé Jérémy. Jérémy? C'est une tirelire que Célina m'a donnée pour la fête des mères quand elle avait 8 ans. Ma fille a toujours eu des drôles de goûts. Des revolvers? Oh ça? C'est quand j'avais... Veux-tu même pas le lâcher avec ça, là? Ah, elle a le droit d'avoir un revolver si elle veut. Et tu juges? C'est un jouet que j'ai confisqué à Mano. Mais ça m'explique pas ce que vous faisiez dans ma chambre. Ben, c'est à cause de la photo. Que j'ai trouvée sans faire exprès. Je jure que je fouillais pas et tombé de la boîte. Promis juré sur la tête de ma vraie... Promis juré sur ma tête. Je pense que je sais de quelle photo on parle. C'est... Il s'appelle Microbe, pis c'est mon serpent. Écoute-moi bien, le petit, là. Ton père a peut-être marié ma mère, mais moi, j'ai marié personne. Ils sont pas mariés, nous. En tout cas, moi, je suis juste là le temps que ma chambre dans la cave soit prête. C'est le fun, là, pour pouvoir jouer ensemble. Ah oui, ça va être le fun. Non, regarde bien, là. Si c'était pas que t'es le seul qui a pas peur de mon serpent, je serais pas dans ta chambre, certain. OK. Bon, on va faire quelques règlements, là, puis si tu les suis, ça va marcher entre nous deux. OK. Premièrement, tout ce qui est de ce bord-là, c'est ma chambre. T'as pas le droit de mettre le petit orteil ici, c'est chez nous, compris? Même s'il y a le feu dans ma chambre, même si tu penses que je suis en train de m'étouffer dans mon sommeil, t'as pas le droit de venir ici sans ma permission. Toi, t'as-tu le droit de tenir dans mon bord? J'ai pas le droit, moi non plus. Si tu viens pareil, qu'est-ce qui arrive? Je viendrai jamais. Quoi? Tu joues pendant que tout le monde travaille. Quoi? Tu joues pendant que tout le monde travaille? Poupou est pas content? Hey, t'as tout fait planter. Excuse. Fistou n'est pas content? Salut. Hey! Ma souris blanche! Oh, t'es donc bien stupide! Oh, excuse, fallait pas la laisser sortir. Mais là, si elle réussit à sortir de la maison, je la retrouverai plus jamais! Oh. Je vais t'aider à la retrouver. Hey, là, tu trouves pas que t'en as assez fait? ADN! Viens ici, ADN! Ça, c'est Célina tout craché. Je pourrais me faire écrapoutir par un camion, elle lâcherait pas ses éprouvettes. Mais si sa souris sort de sa cage, il faut appeler l'armée, hein? Ben, je vais te le régler, ton problème. Fais pas ça! Mais là, j'en mangerai pas, là, ta souris. T'as pas besoin de crier comme ça.
Là! Elle vient de rentrer là, dans la salle de lavage. Viens m'aider! Le gars du dépanneur te fait dire bonjour. Manolo Laporte, c'est la guerre! C'est quoi ça, Simon? C'est pas un déjeuner, ça? Bon, Marianne n'a pas encore mis la table pour le déjeuner. C'est son jour, pourtant, comme c'est clairement stipulé quelque part là-dedans, là. Marianne! T'as pas encore mis la table pour le déjeuner, là, dépêche! Où c'est que j'ai mis mes lunettes? Ah, pas de popsicle, pas de lunettes! Ah, je sais pas, as-tu regardé dans ta chambre? Commence avec ça. Dis-moi donc, Simon, pourquoi tu marcherais pas avec Célina pour te rendre à l'école aujourd'hui? Pourquoi? Sous ce que c'est. J'aimerais mieux manger du foie de veau cru que de venir avec Miss A+. Ben, ça vous permettrait de jaser, d'apprendre à vous connaître un peu plus. Tu pourrais présenter tes copains? Parce que je pense qu'elle a un petit peu plus de difficultés que toi à se faire des amis. C'est peut-être parce qu'elle fait peur au monde. Sais-tu, j'ai plus de petits bois pour partir mon feu de foyer. As-tu encore tes bâtons de hockey, toi? Déjeuner, les morveux! Là, tu viendras pas me dire qu'elle fait pas exprès. C'est pas du copiage, ça, je sais pas ce que c'est. Quoi? Elle copie mon look! On n'est pas habillés pareil, pas en tout. J'ai mis mon cerveau aujourd'hui, moi. Tu vas me dire que les Lulu puis le foulard, t'as trouvé ça tout seul, je te gage? Ben là, Marianne, là, t'as quand même pas le brevet d'invention sur les Lulu et le foulard? C'est ça. Prends pour elle. Prends pour la fille de ta blonde. Je suis juste ta fille, moi, après tout. Marianne, l'espérance. Ah oui, Célina. Mon père t'a fait dire... La nouvelle maison qu'ils viennent d'acheter ensemble. Hey, Spielberg, là, pas de plan de mon gros nez, merci. Oh, mon père qui fait de l'humour, vite ses pilules. Moi, c'est Magali. Je suis la plus vieille de la nouvelle famille, l'Espérance Laporte. Avant, il y en avait trois pour me faire damner, maintenant. Il y en a cinq. Attachez vos tucs, je vous présente tout le monde. Hey! Oh, tata! Nice! Ah, oh, ces deux-là, ça a été l'amour fou à la seconde où ils se sont rencontrés. Lui, c'est Simon, mon frère. Puis elle, c'est Célina, notre demi. C'est parce que c'est pas mon demi-frère, hein. C'est à peine mon 1/1000ème de frère. Ah! Hey! Donne-moi ça, tu vas voir. Toi, je t'en mets. Tiens! Simon? Marianne, ma petite sœur. Quelque chose à dire sur ta nouvelle famille recomposée, Marianne? Comptez pas sur moi pour laver toute la vaisselle à la main. Vous aviez juste acheté un lave-vaisselle. Ah, puis décolle un peu, là, je suis pas maquillée. Dans là, bonjour! Non. Manolo, le frère de Célina, mon demi-frère. Commencez pas à avoir mal à la tête, là. Vas-tu toujours me coller de même, lui? Ah, lui, c'est Nathan, mon petit frère. Le seul enfant au monde qui peut manger du fromage bleu avec des biscuits au chocolat, puis trouver ça bon. Ils sont pas au chocolat, ils sont à l'érable. Ah! Mano, Popoule, au travail. Vous savez ce que vous avez à faire. Popoule, ta mère t'appelle Popoule, hein? Oh ouais, vite, Popoule, va voir maman. Allez, viens m'aider, fistounet, là. Oh non, j'espère qu'elle a pas entendu ça. Fistounet, hein?
Le gentil fistounet à son papa. Allô, entendu. Les enfants, venez ici, s'il vous plaît. Victoria et moi, on voudrait vous souhaiter la bienvenue et une bonne première journée dans votre nouvelle maison et votre nouvelle vie. Bon, ben, allez, grouillez, là, c'est pas fini. Ouais. Monsieur le déménageur, quelle chance vous donnez à ma nouvelle famille de toffer plus que 6 mois? Hey, Miss Monde, ça fait 17 minutes que t'es dans la salle de bain. T'as dépassé ton temps. 17 minutes 37 secondes. Nous autres, ça, on est de l'école. Qu'est-ce qui se passe, là? Hey, là-dedans, encore. Marianne, sors de là, là. T'as eu ton temps, tu vas mettre tout le monde en retard. J'ai fini, papa, je sors, là. D'ailleurs, jeune fille, c'est pas toi qui dois mettre la table pour le déjeuner aujourd'hui. Ça devrait déjà être fait, ça, là. J'arrive, mon petit papa chéri. Dépêche! Marianne, sors-tu? On va pas sortir d'être là, hein? Bon, maintenant, ce que l'homme laisse pas le choix. C'est la guerre! Tu pourras pas dire que je t'aurais pas averti. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien, laisse faire l'expert, là. Observe et apprends. J'ai plusieurs années d'expérience avec une sœur et je vous donne en primeur mon truc le plus efficace. Première étape, trouver le point faible. Marianne, pour appeler ton chum, la touche de recomposition rapide, c'est le 2, hein? Pourquoi tu me demandes ça, jeune? Deuxième étape, la menace. Pour voir sa réaction quand je vais lui dire à 7h du matin que tu te bourres la brassière avec des Kleenex. Tu bluffes. T'oseras jamais l'appeler. Et que tu me connais mal. M'as-tu du papier de toilette dans ta brassière pour de vrai, Marianne? Je te crois pas. C'est pas son numéro que t'as composé. Tu lui demanderas toi-même. OK, ça sonne, écoute. À partir de ce moment-ci, t'es mieux de te tasser la porte parce que le taureau, il va sortir. Deuxième sonnerie! Non. Oui, allô, mon bébé? Je me suis qu'il est de bonne heure, mais je m'ennuyais tellement... Excusez-moi. Oui, je me suis trompée de numéro. Le gars du dépanneur te fait dire bonjour. Manolo Laporte, c'est la guerre! Allô? Allô? Quoi?
Comment il s'appelle, ton serpent? Il s'appelle Microbe, puis c'est mon serpent. Écoute-moi bien, le petit, là. Ton père a peut-être marié ma mère, mais moi, j'ai marié personne. Ils sont pas mariés, nous. En tout cas, moi, je suis juste là le temps que ma chambre dans la cave soit prête. C'est le fun, là-bas, pour jouer ensemble! Ah oui, ça va être le fun! Non, regarde bien, là. Si c'était pas que t'es le seul qui a pas peur de mon serpent, je serais pas dans ta chambre, certain. OK. Bon, on va faire quelques règlements, là, puis si tu les suis, ça va marcher entre nous deux. OK. Premièrement, tout ce qui est de ce bord-là, c'est ma chambre. T'as pas le droit de mettre le petit orteil ici, c'est chez nous, compris? Même s'il y a le feu dans ma chambre, même si tu penses que je suis en train de m'étouffer dans mon sommeil, t'as pas le droit de venir ici sans ma permission. Toi, t'as-tu le droit de venir dans mon bord? J'ai pas le droit, moi non plus. Si tu viens pareil, qu'est-ce qui arrive? Je viendrai jamais. Quoi? Tu joues pendant que tout le monde travaille? Quoi? Tu joues pendant que tout le monde travaille? Poupou l'est pas content? Hey, t'as tout fait planter! Oh, excuse! Fistounet pas content? Salut! Hey! Ma souris blanche! Oh, t'es donc bien stupide! Oh, excuse! Fallait pas la laisser sortir! Mais là, ça a réussi à sortir de la maison, je la retrouverai plus jamais! Oh. Je vais t'aider à la retrouver. Hey, là, tu trouves pas que t'en as assez fait? ADN! Viens ici, ADN! Ça, c'est Célina tout craché. Je pourrais me faire écrapoutir par un camion, elle lâcherait pas ses éprouvettes. Mais si sa souris sort de sa cage, il faut appeler l'armée, hein? Je vais te le régler, ton problème. Ben là, franchement, je sais pas ce que mes enfants vous ont dit, mais je suis quand même pas si sévère que ça. Si tu nous laisses partir, là, ça va rester notre secret. Oui. Mais de quoi elle parle? Bon, sortez de là. Je pense que j'ai droit à une explication. On est dans un pays libre, hein? C'est ta chambre. T'as le droit de cacher des armes puis des cadavres si tu veux. Des armes? Des cadavres? Ben. Oh! Je vois que vous avez trouvé Jérémy. Jérémy? C'est une tirelire que Célina m'a donnée pour la fête des mères quand elle avait 8 ans. Ma fille a toujours eu des drôles de goûts. Des revolvers? Oh, ça? C'est quand j'avais. Veux-tu même pas le lâcher avec ça, là? Ah, elle a le droit d'avoir un revolver si elle veut. Et tu juges. C'est un jouet que j'ai confisqué à Manon. Mais ça m'explique pas ce que vous faisiez dans ma chambre. Ben, c'est à cause de la photo. Que j'ai trouvée sans faire exprès. Je jure que je fouillais pas tomber de la boîte. Promis juré sur la tête de ma vraie... Promis juré sur ma tête. Je pense que je sais de quelle photo on parle. C'est pas ma meilleure, d'ailleurs. J'avais une grippe et une sinusite épouvantable ce jour-là. D'habitude, la police arrête pas le monde pour une grippe. Ouais. J'étais à une manif. Il y a deux ou trois têtes brûlées qui se sont mis à brasser un peu trop fort puis ils ont arrêté tout le monde, dont moi. Mais ils m'ont relâché presque tout de suite. J'ai demandé à regarder la photo. Fais peur aux enfants! Toi pis tes plans de jeu. Aïe. Ouais, ben, on est peut-être pas obligé de raconter tout ça à mon père, hein? Ouais. Coudon, c'est-tu moi ou il fait chaud? Coudon, il fait donc mais chaud aussi, on se croirait dans un four. T'as pas chaud, toi? Ben moi, j'ai chaud, ouvre dans la fenêtre. Non. Si tu veux pas l'ouvrir, moi, je vais l'ouvrir. Tu peux pas, la fenêtre est de mon bord de chambre. Franchement, la fenêtre, ça compte pas. Ça compte? La fenêtre est de mon bord de chambre. Tu peux pas l'ouvrir, sauf si tu me demandes la permission. Hé, hey, avant que je te demande la permission pour ouvrir la fenêtre, là... Papa! Papa! Wow! Il est vite, il me fait passer à moi quand j'étais jeune. Bon, qu'est-ce que tu veux, là, en échange pour ouvrir la fenêtre? Joue-moi l'eau sur pain chien. Si tu gagnes, je l'ouvre.
c'est correct. Un 3 de 5? Je pense même qu'il va aller plus loin que moi.